only love me cause I'm popping. This a layup, this a rebound, then it's robbing. Tyson with the fade, not the air, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's knock, 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 knocking. I'm not the same. Thinking money made me change, nothing else to blame. Bougie stuck up in my way, singing Gucci Gang. Gucci, Gucci, Gucci. Yo, salut la team. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas parlé. Effectivement, la dernière vidéo, c'était la vidéo du Murph, si je dis pas de bêtises, qu'on a réalisé juste avant que je parte en vacances, parce que je suis parti 2 semaines en vacances. Ça fait du bien. Et là, on est de retour. Ça fait 1 semaine et demie qu'on est de retour. Enfin, que moi, je suis de retour. On est en train de préparer les affiliates, parce qu'on est qualifié aux affiliates qui ont lieu ce week-end, le 23-24 juillet. Donc, ce samedi et dimanche, là. On s'est qualifié en Indie en Master, mais on a décidé d'y aller, enfin, moi, en Master. En tout cas, et on a décidé d'y aller en équipe, donc avec Seb, Letty et moi-même. Et on s'est qualifié en 25e position, ce qui veut dire qu'on sera chez les élites. Oups! Donc, au vu des charges et au vu des WOD qu'ils ont annoncé pour s'entraîner, dont un de ces WOD ferait partie des WOD de finale, il y en a un notamment, il est lourd, hein, il est très lourd. Il y a des charges à 110 kg en front squat et qu'il faudra cleaner d'abord. Enfin, du coup, on se prépare un petit peu là-dessus. Mais vu que c'est les vacances en ce moment et que c'est l'été, il fait très chaud, je travaille un petit peu différemment en ce moment et je fais du travail un petit peu plus movement, calisthenics, etc. Un peu plus de travail au sol, travail sur l'équilibre notamment. Parce qu'au final, je me rends compte que malgré les 10 dernières années de pratique de CrossFit, en termes de force, de haut du corps, surtout sur beaucoup d'exercices gymniques, bah c'est pas extraordinaire. Notamment l'équilibre que j'arrive pas à maintenir plus de... Bah, je crois que mon record, c'était 21 secondes, je crois, quand il y a eu les quarts de finale l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et bah je me rends compte que c'était pas top, et puis j'ai pas forcément travaillé plus dessus que ça. Bah là je retravaille un petit peu dessus, on fait des exercices un peu particuliers, on s'amuse un peu avec Seb, notamment l'après-midi. Donc la matinée ça reste CrossFit pur et dur si on veut. On a ce qu'on a, la prog qu'on suit, donc avec le WOD, la force, l'altéro, etc. Mais l'après-midi on implémente un petit peu plus de choses un petit peu fun, notamment aussi un petit peu de travail de boxe. Donc moi je reviens à mes premières origines qui sont les arts martiaux, et du coup bah, c'est un peu ce qu'on fait les après-midi. Donc je vous mettrai quelques clips de ce que je fais de temps en temps l'après-midi ou de ce qu'on fait avec Seb. Donc là, on va repartir, enfin, je vais essayer de repartir sur quelques vlogs qui vont un petit peu aussi mesurer ma progression dans tout ce qui est calisthenics, etc., notamment le travail de l'équilibre, pour voir un peu où j'en suis et où est-ce que je peux arriver plus ou moins fin de l'été, fin du mois d'août, ou peut-être début septembre, on verra, avec un travail plus ou moins régulier. Encore une fois, je vais pas me buter là-dessus, mais j'ai envie de tester pas mal de choses et de m'amuser un petit peu pour changer, sortir un peu la tête de ce qu'on fait constamment et de tous les exercices qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vais vous emmener là pour la petite séance de l'après-midi et je vais vous mettre aussi ce qu'on a fait la semaine dernière, notamment le travail de la gym sous fatigue avec des toast to bar en endurance, où il faut aller chercher un nombre de reps en unbroken de préférence avec du cardio juste avant. Je vous montrerai aussi le travail gymnastique, bon ça c'est juste rapide, mais qu'on fait sur les muscle up strict et dips. Et puis la séance un peu de l'après-midi où on varie un peu les exercices et on travaille un peu tout ce qui a travaillé, tout ce qui nous fait plaisir. Je vous montre tout ça, je vous emmène avec moi dans la séance de l'après-midi et puis je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Need a money counter, I broke my thumb from thumbing down. Wifey on my line, she told me to dumb it down. Mama on my line, asking how I'm dumber now. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's driving. Tyson with the fade, not the air, my hands rockin'. When I link with ballpoint, you know it's not, 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 not. Get out my way, I'm so unashamed. Throw it to my veins. Green or blue, I'm not into games. Focus on your player's face while I'm stacking change. We throw out what you got on your whole Kool-Aid. Every time I drop it, I can make the school face. I can't stand to be around people who are two-faced. I can't stand to do some business if you're too late. I beat the beat of defeated, I beat the beat of mistreated.
deleted. On top, top, more DM. No rock star with these leather pants, I'm ACDC. When I die, I bet they love me, but hate me when I'm breathing. I think you only love me cause I'm popping. This a layup, this a rebound, it's rubbing. Tyson with the fade, not that hair, my hands rocking. When I link with ballpoint. On va attaquer sur 12 cal de Skiarg, suivi de 16 à 18 pour moi, Toast to Bar, dans l'idéal Unbroken, sachant que c'est la fin complète de la progression. On fait 4 rounds et c'est la fin de la progression qu'on avait en gym sur la prog RSLNT. This a layup, this a rebound, then it's right, man. Tyson with the fade, not the air, my hands rockin'. When I link with ballpoint, you know it's knock, 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 knockin'. Succès là-dessus. Succès qui va coûter cher. Ça fait combien? 18. 18, 18, 18, 18. Maintenant, 100 push-up. Et fini pour ce matin. Putain, on part vite là en fait. Et ben voilà, dernier élément de la matinée. Maintenant on va décongestionner parce que les bras et les pecs sont fracasses. Et puis je vous reprends plus tard, ou peut-être pas. Si c'est pas le cas, bah à plus, ciao.
Ça, c'est la partie fun de l'après-midi. C'est ce qu'on fait les après-midi maintenant. On s'amuse. Hein ? On s'amuse, on s'entraîne vite fait, tranquille. Bon, il y en a toujours qui font toujours les mêmes choses. Regardez, madame, elle fait son snatch. Voilà, elle suit l'entraînement. Parfaitement, parce qu'elle n'a pas fait ce matin, donc elle fait maintenant. Je m'entraîne ça. Tu 25. Donc, ensuite je m'amuse, je fais des jeux, je joue comme ça, je chope des éléments, des mouvements à gauche, à droite, et ensuite j'essaye de les faire, je m'amuse, il n'y a rien de précis, il n'y a rien de... c'est juste pour changer un peu, varier un peu les... ce que je fais habituellement, tout ce qui est tous tout bar, tous les mouvements de crossfit que vous connaissez, et là maintenant je joue un petit peu, on voit ce que ça donne, et après je suis quelques petites choses un peu plus précisément, notamment sur l'équilibre, mais que j'ai déjà fait ce matin, donc je ne vais pas le refaire cet après-midi, mais voilà un petit peu comment on joue. Maintenant, les marches un peu des animaux, c'est pas mal ça.
Bon, donc un des objectifs de l'été, ça va être de travailler quand même un petit peu sur la planche et sur l'équilibre, notamment l'équilibre en premier, puis ensuite la planche en second. Et pour la planche, un des travaux que je fais, c'est des tuck planches. Et c'est dur, ça rase. Et mon PR, c'est 30 secondes. Bon, j'avais pas les coudes complètement tendus, ça bouge encore un petit peu, etc. Mais pour l'instant, on fait ce qu'on peut. On commence et donc on verra après ce que ça donnera. Enfin, donc je vous tiendrai au courant probablement sur les mois de juillet et août. Enfin, mois de juillet, c'est bientôt fini. Donc probablement le mois d'août, si ça avance progressivement, petit à petit. Qu'est-ce que j'implémente de nouveau comme exercice, etc. Mais bon, pour l'instant, voilà ce qu'on fait un peu l'après-midi. Vous avez vu tout à l'heure ce qu'on faisait plus ou moins le matin avec les exercices de crossfit un peu traditionnels, ce qu'on fait quand on suit la prog. Et ben voilà, et ben sur ce je vous laisse et je vous souhaite de passer une excellente journée, on se redit à bientôt. Probablement qu'il y aura un petit vlog sur la compétition ce week-end des affiliates. Mais à part ça, sinon bah ce sera tout et bah dans deux semaines. Allez, à plus la team, ciao.